Ouais, pas trop mal. Ouais, écoute, j'ai couru 4 fois, j'ai gagné 3, super. Non, ça fait plaisir de venir courir une fois au stand, hein, parce que meilleur moi maintenant que je suis pas venu. Qu'est-ce qui a changé justement depuis 20 ans sur cet hippodrome? Ben, avant c'était courte à gauche, aujourd'hui c'était courte à droite. Sinon tout le reste c'est pareil. Par contre, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Avant, il y a, quand moi je suis venu, quand c'était la fin d'un stand, il y avait moins de monde, mais là aujourd'hui, apparemment, ils ont bien travaillé, chapeau, ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont quand même ramené, faire venir du monde. Comment tu peux expliquer que ce champ de course, il est fermé? Comment tu peux expliquer? Parce qu'en Belgique, il y a un problème. C'est chaque enfant pour lui. C'est un peu le problème. Ils ont laissé tomber. Les galopeurs, les courses, ils marchent moins bien. Les trotteurs aussi. Alors il y a deux gens qui ont repris ça en main, un veto et un notaire. Et c'est eux qui ont relancé au stand. Je pense qu'ils vont avoir des réussites. De toute façon, ils ont 11 réunions à l'année. Mais franchement, c'est bien fait. Ben, on attend qu'il y a beaucoup de monde, des spectateurs, des belles courses. Il y a 4 courses de trop. Et 6 courses de galop. Et les courses de galop, ils sont PMU. Alors justement, ces courses PMU, ça va être une bouffée d'oxygène supplémentaire pour vous? Oui, évidemment, parce qu'on a pas mal de frais pour des courses PMU et j'espère que ça donne assez bien de jeu. Alors, contrairement à Mons, lors des réunions PMU, les bookmakers sont autorisés sur votre hippodrome? Oui, 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 on a des bookmakers. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ah non, parce que c'est question de... on a toujours eu, non, on a toujours eu des bookmakers ici à l'hippodrome, donc je ne vois pas la raison pour qu'il n'y ait pas de bookmakers à l'hippodrome. Thank you.